Le vendredi 24 février 2023 à 20h43, Canal+ célèbre le cinéma français avec la 48e nuit des Césars. L'occasion de retrouver Catherine et Liliane sur scène. Pour sa nouvelle édition, la cérémonie des Césars est présentée, une fois n'est pas coutume, de manière collégiale à l'aide d'un casting XXXL. Et parmi les grands noms qui se succéderont sur la scène de l'Olympia, difficile de passer à côté du duo culte formé par Catherine et Liliane. De drôles de personnages qui n'avaient plus donné de nouvelles sur le petit écran depuis un bout de temps, et que les fans auront le plaisir de retrouver ce vendredi 24 février 2023 à 20h43 sur Canal+. Un des duos les plus cultes de la télévision, une revue de presse, des potins, des perruques ringardes inspirées des 80s et des rictus qui s'impriment sur les rétines. Voilà comment Catherine et Liliane ont débarqué sur les écrans des téléspectateurs en 2012. Duo formé par des Alex Lutz et Bruno Sanchez se relookait pour l'occasion, il a instauré une nouvelle manière de rire de l'actualité. De celle qui s'installe pendant pas mal de temps sur le petit écran. Jugez plutôt, des multiples formules du petit journal à une arrivée sur C8, la pastille a été programmée sur les antennes du groupe Canal jusqu'en 2019. Après autant d'années de diffusion, CIST peut dire que le temps commençait à être long sans les deux secrétaires qui officiaient dans les bureaux de la chaîne cryptée. Un retour en grande pompe pour leur retour sous les costumes de Catherine et Liliane, Alex Lutz et Bruno Sanchez ont donc vu les choses en grand. Ce n'est rien de moins qu'à l'Olympia que les deux personnages feront leur sketch et assureront en partie la présentation de la 48e nuit des Césars. Au milieu d'une troupe de présentateurs composée de Leïla Bekti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Ayoye Dara, Raphaël Personnaz et Ahmed Silla, il y a fort à parier que le duo saura se faire remarquer. Annoncé sur les réseaux sociaux quelques heures avant la cérémonie via un tweet de la chaîne Canal+, le retour de Catherine et Liliane a été fort bien accueilli par les fans. De quoi s'offrir un sacré moment de nostalgie télévisuelle durant ces Césars 2023 où la nuit du 12 novembre et Pacifiction, Tourment sur les îles, films les plus nommés, font figure de favoris. Y compris au sein de la rédaction de Télé Loisirs. Elles reprennent du service ce soir pour les hashtags César 2023. Vous les avez reconnus? Visage narquois, pique. twitter.com/evidewo2nhc, canal plus arrobase canal plus, février 24, 2023 à lire aussi César 2023, les secrets du vote des académiciens dévoilés ont piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo.